Oh là là. Salut à tous. Les champions, j'ai envie de te dormir. Voilà. Quand j'ai vu le ratoto. Oh non. Fallait pas se lever tôt. Et oui, Ratoto, oh oui, Michel, Jean-Luc, c'est bon, j'ai entendu, mon réveil, il a sonné. Je voulais dormir, moi, tranquille, et là, mon réveil, il sonne. Je ne me réveille pas, il sonne. Alexa, stop. Il sonne. Alexa, stop. Oh, il va sonner pendant tout le débrief. Ratoto. Fais ton rototo, fais ton tour. Oh, c'est quoi ça? Moi qui voulais dormir là, je suis réveillé depuis 7 h du matin. Oh, ratoto, passe ton coup de râteau. Salut à tous les champions, les championnes, les frites, les hamburgers. J'espère que vous allez bien, que votre frère se porte bien, que votre diabolomane se porte bien. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Luc, là? Il m'a réveillé. Et là, j'étais tranquille et tout. Je vais vous débriefer le demi-finale aller de la Ligue des Champions féminine. Paris-Lyon. Ouais. On va débriefer le match ensemble. C'est Germain qui va marquer dans ce match. C'est Germain qui va marquer très très tôt dans ce match. C'est pour ça, ce scénario-là, il va se lever très très tôt. À la 6e minute, il va en planter un. Il va planter un caillou. Par Marie-Laure Antoinette Ratoto, à la 6e minute. Elle était levée à 6 h du matin ce matin, les gars. À 6 h du matin, elle était debout. Elle était là. Oh, à 6 h du matin, les gars, elle était là. Elle était là. Elle était là. Lyon qui va revenir dans ce match grâce à une erreur de la gardienne parisienne, Sarah Froidi. Froidi. Elle s'est refroidie, j'ai envie de dire là. Elle a tout refroidi le Parc des Princes. Et tout. Et bon, voilà, si c'est pas le bon prénom, tu me le mets en la dotation. Bête, qui va coûter cher tout de même. J'ai envie de dire comme les boulettes de Bautista, boulettes. Ils iraient bien ensemble, mais non. Là, on parle d'une boulette de la gardienne du PSG. Ouais. Qui vont asphyxier le PSG, on dirait qu'ils vont leur lâcher la cavalerie, on dirait qu'ils vont leur lâcher une caisse, ça va pas sentir hyper bon, hein. Ça va sentir le cheval, hein. Je vous l'ai dit les copains, ça va sentir le cheval. 2-3 pour Paris. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire de l'équipe parisienne. Voilà. On le sait, rien n'est fait dans cette demi-finale. J'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive, il y aura une équipe française en demi-finale de la Ligue des Champions féminines. Donc voilà. Les champions, les championnes, je compte sur vous pour venir partager cette vidéo. Et pour me lâcher des commentaires, me dire ce que tu en as pensé de ce match. Et me dire également ce que tu en as pensé. Je compte sur toi pour partager cette vidéo. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et je prendrai plaisir à échanger avec toi en commentaire. J'espère que votre diabolomane se porte bien et que votre frère se porte bien. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien.